سلام، مرحبا بكم على قناتكم لو فرونسي فاسيليتي. نتمنى ان الجميع قضى عطله ممتعه وان الجميع مستعد للدخول المدرسي. قبل الدخول المدرسي قناتكم وجدت لكم وحضرت لكم مراجعه شامله لاهم دروس السنه الثالثه. هكذا نبدا السنه الرابعه بكل اريحيه. اذا ما عليكم الا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس لكي يصلكم اي جديد، وكذلك لا ننسوا الجام واللايك، ونبارتاجيو لا فيديو مع اصدقائنا لكي يستفيد الجميع. مرحبا بالجميع على قناتكم. Premièrement, complète l'alphabet, اي اكمل الحروف الابجديه. On a ici l'alphabet en langue française. كما نعلم ان اللغه الفرنسيه تتكون من 26 حرف. هنا لدينا الكتابه. ما هو نوع الكتابه هنا؟ C'est écrit en cursive ou bien en script? Naam. Jayid. Idan hna al-kitaba. Hiya en script. Script. Hiya kitabat al-kitab. Kama tulahidun. A. A, c'est une voyelle ou une consonne? Hna nesal soual. A. Hal hiya voyelle ou consonne? Très bien. A, c'est une voyelle. Combien de voyelles on a en langue française? Ma huwa adad les voyelles en français? Très bien. 6. 6 voyelles. Ladaina sita. Le nombre 6. A. Une voyelle. B. C. Après le C, on a quoi? On a le D. Très bien. D. E. E, c'est une voyelle. Après le E, on a F. On va écrire F. G. Ensuite, après le G, très bien. H. G. H. I. Le I aussi, c'est une voyelle. A, E, I, les voyelles, et abimathabet, al-harakat, fil l'oral arabia. G, H, I, J, J. Après le J, K, très bien. L, M, N. Après le M, on a le N. O, c'est une voyelle aussi. O. Après le O, on a le bravo. P. P. O, P. Q, R, S, T. Ici, on a le T. T, U, U, U aussi c'est une voyelle. V, U, V. Après le E, on a le V. W, double. Regardez bien ici, on a un V et un V. Double V, double V. X, Y, Y aussi c'est une voyelle. Et on termine avec Z, Z. Donc Z, c'est le dernier mot de l'alphabet. On récapitule. Ici donc l'écriture est en script, script majuscule. Ici, c'est majuscule. Aïe. الحجم الكبير majuscule. Minuscule, c'est le petit format ou الحجم الصغير. Et then, les voyelles A, E, I, O, U, Y. Et le reste, on les appelle les consonnes. P, C, W, G, M, C, D, consonnes. مفهوم؟ نواصل المراجعة.
Deuxième exercice. Souligne les mots modèles. Souligne, معناتها وسطر les mots modèles et الكلمات التي تشبه le modèle. Le modèle هو النموذج. لاحظوا هنا مكتوب بالأزرق باللون الأزرق. C'est notre mot modèle. هنا عندنا مجموعة من الكلمات. سنقوم بالتسطير. On va souligner les mots qui ressemblent à notre modèle. On va dire ensemble. Papillon. Comment fait Sora? Papillon. Papillon. Hna, ça nous lâche la succession des lettres dans un mot. Nakoum bil moulahda, moulahda tartib al huruf fil kalima. Andna le P, ensuite le A. Ensuite le P, ensuite le I, on a le L, L, O, N. D'accord? Donc, هنا, مطلوب منا الملاحظة. Ensuite, on va souligner le mot modèle. Papillon. On va lire. Papillon. On souligne ici ou on ne souligne pas? Très bien. Ici, on va souligner. C'est le même mot. Regardez ici. On va lire d'abord. P-A-P-A. Pa. Ça c'est quoi? Est-ce que un P? Non, regardez le P. Ça c'est un Q. On a papillon. Est-ce qu'on souligne ou on ne souligne pas? Ici, on ne va pas souligner parce qu'on n'a pas déjà le P. Il suffit. هنا يكفي أن لا نجد حرف واحد لكي نقوم بالتسطير. مفهوم؟ إذن با كي لا أسطر. با غي با غيون. لا ميم شوز إيسي. أنا لو ب أ ب إي ب أ ر إي. هنا لا نقوم بالتسطير. مفهوم؟ Ensuite, on a pa, p-a, pa, p-i, pi, deux l, o-n, yon, papillon. Très bien. Donc, papillon, on souligne papillon et on souligne papillon. Ici, en minuscule, script, ici, en majuscule, script. إذن الكتابة هنا مينيسكول والكتابة هنا ماجسكول. ننتقل إلى الصورة الثانية et le deuxième mot bien sûr. C'est un lapin. Un lapin. Donc lapin s'écrit L A la P I N pain le son 1. رأينا معا في دروس السنة الثالثة لي سون. دونك لا بان لو بروميير مو ال ا لا بي اي ان بان لا بان. Est-ce qu'on souligne ici? Bravo, ici on va souligner. C'est le même mot sauf qu'ici c'est en majuscule. Toutes les lettres sont écrites en majuscule. Ici, on n'a que le L en majuscule, le reste en minuscule. D'accord? L, A, la, P, I, M, la, pain. C'est lapin, on entend lapin, mais ce n'est pas écrit de la même manière. Ici, on a le M et ici, on a le N. Regardez bien la différence. N, M. D'accord? Donc ici, on ne va pas souligner. L, A, la. P, I, N. Pain. Lapin. Lapin. Ici, c'est écrit en
en cursive. Bravo. Cursive. Cursive, c'est l'écriture que j'écris sur mon cahier, que je reproduis sur mon cahier. Ça, c'est l'écriture qu'on trouve sur les livres. Lapin, écrit en cursive, L majuscule, A minuscule, P minuscule, I minuscule et N minuscule. C'est les mêmes lettres, donc on va souligner lapin. Ici, on a un I. A, P, I, N. Déjà, on n'a pas le L, on a le I. Yapin. Ça se lit yapin. Yapin, c'est pas lapin. Donc, on va souligner lapin et lapin. On continue. C'est quoi ça? Un renard. Renard. Le renard ou un thalab? Re, R-E, re. Nar. Le D ici, na, harf D, la lettre D ne se prononce pas. C'est une lettre muette. Malam yushahed video. جميع الحروف الصامتة في اللغة الفرنسية يمكنكم الرجوع إلى القناة موجود على القناة لكي تستفيدوا أكثر. Donc renard et on va pas dire renarde, on lit pas le d. Renard. R E N A R, c'est la même chose. D, ça c'est quoi? Qui peut me dire ça c'est quoi? Bravo. B. Attention ici. D. B. On avait dit que le D, عنده حدبة, sur le dos. Ah, ça. Ça c'est son dos. عنده حدبة, le D. Le B a un gros ventre. Regardez, le B, il a un gros ventre. Donc retenez ça. Le D a une bosse, le B, un gros bidon, un gros ventre, ça veut dire. Mafhoum ? Donc, renard, ici, c'est un B, on ne va pas souligner. R, E, N, A, R, D. Ici, on va souligner, donc c'est le même mot modèle, sauf qu'ici, c'est écrit en majuscule script. R, E, N, A, R, D. Renard, c'est le même mot modèle, sauf ici c'est l'écriture en cursive. Bravo, c'est le cursive ici. B, E, B, E, N, A, R, D. On n'a pas le B, on a le R normalement, donc ça c'est faux, on ne va pas souligner. On a l'anakoum betastère. لأن عوض ال R لدينا le B بنار ici وليس لدينا renard. إذن لا نقوم بالتصدير. Notre dernière image, on a cheval. Cheval. تذكروا كانت آخر وحدة رأيناها معا في السنة الثالثة, c'est les animaux de la ferme. Et then, cheval, on a vu cheval. C'est H, CH, c'est le son CH. E, CHE, V, A, VA. Cheval, L à la fin. Cheval. Et then, ça nous passe à la C, ثم ال H, ثم ال E, ثم ال V. Après le A, ensuite en dernier, L. On va commencer par le premier mot. C, on a le C, H, K. Ici, c'est un K et pas un H. Regardez bien, K. On a la petite boucle ici. K, C, K, E. Donc ici, on ne va pas souligner. C, H, E, V, A, L. On a le même mot. Cheval,
Cheval. Très bien. Cheval. Cheval. On va souligner. Donc, هنا الهدف هو أن نلاحظ الحروف حرف بحرف الكلمات ونقارن. عندما لا نجد حرف واحد لا نقوم بالتصدير. مفهوم؟ C H E V A L. Est-ce qu'on va souligner ou on va pas souligner ici? Très bien, on va souligner. Ici, c'est écrit en script majuscule. Notre dernière proposition, G. H E V A L. Ici, déjà, on n'a pas le C, mais on a le G en majuscule cursive ici. Donc, on a la première lettre déjà qui n'est pas la même, donc on ne va pas souligner, ce n'est pas le même modèle. D'accord? On continue notre révision. Composer des mots avec des syllabes. Et dans Sanakom, بتركيب كلمات باستخدام المقاطع الصوتية. Pour chaque image, remets des syllabes en ordre et écris le mot en cursive. Donc l'exercice nous demande pour chaque image من أجل صورة يعني remets les syllabes en ordre. Ça c'est une syllabe. La syllabe L E c'est une syllabe. P O U c'est une syllabe aussi. إذا remets les syllabes en ordre. ضع المقاطع الصوتية أو رتب المقاطع الصوتية et écris le mot en cursive ثم قم بكتابة الكلمة en cursive. إذا في المنزل قم بالكتابة en cursive. مفهوم؟ première image. Bien sûr, هنا الصور ستكون آخر الوحدة تطرقنا لها. C'est les animaux de la ferme. On a le époux. Le époux. P-O-U. Pou. O-U. Ou. Le son. Ou. L-E. Le. Pou. On va dire une poule. Bravo. Pou. Une poule. G-I. G-I. Ça se prononce comment? J. Très bien. J. Et pas G. Attention. J. On appuie sur le I. J. F-E. Ça se prononce? Feu. Très bien. Feu. R A se prononce ra. Ra. Une. Une pour le féminin. Singulier. Très bien. Mon N moufrat. Très bien. Une. Comment on va dire? Une. J. Girafe. Très bien. Une girafe. On a le E, fi akhir al-kalima, en langue française, ne se prononce pas. Yani, il est muet. On va l'écrire, mais on ne va pas dire une girafe, mais on dit une girafe. Une poule. On ne va pas dire une poule. Une poule. D'accord? On continue. On a ici M-O-U. Mou. Pou. Mou. M-O-U. Mou. T-O-N. Ton. Le son. En. Aïna ma'an, le son. En. Et then, ou. Le son ou. Et le son en. Avec O, pas en avec A. On, ton, et pas tant. Donc là, faites très bien la différence.
ton. Sur l'image, on a un. Un pour le singulier masculin. Très bien. Mufrad mudhakkar. On va dire un mouton. C'est un mouton. Le mouton, huwa al-kharouf ou al-kabsh. D'accord? C-H-E. C-H, c'est le son ch. Ch. C-H-E, c'est ch. Tu as le son ch. V-A, le son va. Va. Une vache. L'ahdo, une vache et pas une vache. Une vache. D'accord? Ça, c'est la vache sur l'image. On continue. Ça, c'est notre image. Et on va lire d'abord les syllabes. N-A. Na. Na. C-A-K. R-D. Le D ici, il est muet. On ne va pas le prononcer. D'accord? Donc, on a na-ka-r. Le. Pour le singulier. Le singulier masculin. D'accord? Et bien, le, nous utilisons dans le mufrad al-muzakkar. Le. On va dire le. On va commencer par K. C-A. Le K. Le canard. C'est un canard. Al-batta. Canard. D'accord? Le D, on ne va pas le lire. C'est une lettre muette. Comme tout à l'heure, le renard. Kamara Aina, le renard. On a le canard ici. On continue. C-R-O. Cro. Cro. D-I. Di. Di. L-E. Le. C O co le ça s'appelle comment? Cro. Très bien. Cro co dil le crocodile. D'accord? Donc c'est un crocodile. At-timsah. Regardez l'image. D-A. Qui peut me dire D-A? On prononce comment D-A? Bravo. Da. Da. D-A. Da. P-A-N. Pan. Pan. Da. Le. Panda, ça c'est un panda. Hayawan el panda. On continue. Ti. 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 Gre. 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 Tigre. Tigre. Le tigre. Le tigre. D'accord? Le tigre. Dhanhna, on a vu ensemble la prononciation de la lettre G aussi. L et les. Les. P H. Ça donne le son quoi? On a vu ça aussi en troisième année. F, c'est le son F. Malamiyat Zadakar, yumkinukum rujou' ila dorus
على القناة تجدون جميع دروس السنة الثالثة مرتبة حسب لو بروجي دونك بروجي 1 سيكونس 1 بروجي 1 سيكونس 2 بروجي 1 سيكونس 3 وهكذا يعني مرتبة selon les projets أي الميادين والوحدات تجدونها في قوائم التشغيل أو les playlists باللغة الفرنسية إذن ما عليكم إلا الرجوع إلى القناة من يريد مراجعة أي درس أو لديه أي إشكال في أي درس في السنة الثالثة قبل الانتقال إلى السنة الرابعة يمكنكم الرجوع إلى القناة On continue Donc PH c'est le son F Très bien AN le son AN le son AN T c'est écrit en bleu c'est une lettre muette أي حرف صامت يكتب ولا ينطق هنا أيضا يمكنكم الرجوع إلى الفيديو ستجدونه على القناة et c'est la voyelle et c'est le e avec l'accent لاحظوا معي comment s'appelle l'animal qui est sur l'image ما اسم الحيوان الموجود في الصورة très bien ça s'appelle éléphant éléphant et then et les ensuite fin لاحظوا معي هنا éléphant c'est un nom masculin singulier ou bien féminin singulier هل هو مفرد مذكر ام مؤنث مفرد très bien c'est un nom masculin singulier donc on va dire le éléphant Très bien. Regardez ici avec moi. L, on a le L avec l'apostrophe. Idem, là, on a le E, le éléphant. Notre mot, le kalima ta'na hna, éléphant, tabda bel E. E, idem, c'est une voyelle. Idem, on a le E ou le E. Là, يمكن أن أضع le E. والاي بجانب بعض ماذا افعل ننزع الاو واضع لابوستروف اذا جيفاس لو او اي جو مي لابوستروف ونكتب ايليفون ici et on va dire l'éléphant on va pas dire le éléphant c'est lourd هنا الكلمه النطق يكون ثقيل donc on va dire l'éléphant مفهوم؟ نكتفي بهذا القسط من المراجعة سنواصل مراجعتنا التي ستكون على أجزاء إذن من لم يشترك في القناة عليه الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يمكنه متابعة ما تبقي من المراجعة أذكركم من لديه أي إشكال أو وجد أي صعوبة في هذه المراجعة يمكنكم للرجوع إلى فيديوهات دروس السنة الثالثة الموجودة بطبيعة الحال على قناتكم Le Français Facilité إذن هنا ينتهي فيديو اليوم ما علي أن أقول لكم إلى اللقاء ونلتقي في الفيديو المقبل بإذن الله